Emma va y aller. Alors vous excusez, il y aura forcément un peu d'émotion dans ma voix. Roland était quelqu'un qui comptait pour nous tous, et pour, quand je dis nous tous, c'est nous tous là, et puis nous tous là-bas. Et puis il est parti. Donc je ne vous présenterai pas Roland, je crois que vous savez à peu près quel immense bonhomme c'était, et quel immense auteur c'était. Je n'ai pas non plus trop envie qu'on parle de l'auteur en lui-même, enfin plus exactement de ses œuvres, et il y en a beaucoup. On peut effectivement dire que Roland a écrit quand même une cinquantaine de romans, une centaine de nouvelles, je ne sais plus combien de chroniques exactement sur des dizaines, des centaines de romans. Il a fait énormément de choses, et puis il a été aussi le président du Julia Verlanger, mais je pense que ça en parlera tout à l'heure. Voilà, je vais vous présenter brièvement les gens qui m'entourent. On va commencer par, le plus loin là-bas, Claude Eken. Pour ceux à qui ça aurait échappé, Claude est auteur. A démarré à peu près à la même période que Roland, d'ailleurs. À peu près au même endroit, d'ailleurs aussi. Et au-delà de ça, c'est lui aussi un chroniqueur qui a beaucoup écrit sur le travail des autres. Oui, on peut dire ça. Hein. Voilà, c'est aussi la plus belle voix de lecture de l'ASF francophone. C'est quelqu'un qui sait merveilleusement lire, et pour ceux qui ne connaissent pas sa voix, vous allez entendre, il y a quelque chose de chaleureux, de fort dans cette voix. Bon, il est aussi anthologiste, modérateur à l'occasion, enfin bref, il sait tout faire. Norman, qui est juste à côté de moi, qui ne connaît pas Norman Spinran, romancier, nouvelliste, toute une histoire, fan de rock. Norman qui a écrit aussi un des épisodes de la saison 2 de Star Trek. Ah ouais, il avait oublié. Voilà. Ma compagne aussi, Mireille Rivalan qui dirige avec Pierre Michaud les éditions La Talente, et qui à ce titre a publié de nombreux auteurs, particulièrement des auteurs francophones. Il y a quand même une belle brochette. On peut dire que maintenant, la Maison de la Talente s'est fait le plus beau catalogue d'auteurs de SF français. C'est un compliment personnel, mais qui a surtout beaucoup travaillé avec Roland Wagner et qui a publié, qui a republié tous les futurs mystères de Paris et qui a publié tous ses derniers romans, et entre autres ce chef-d'œuvre absolu qui reste de gloire, et qui a valu à Roland rien moins que 5 prix. Ce qui fait de lui le plus gros détenteur de prix pour un seul titre, pour un seul ouvrage en France. N'oublions pas Eric Tichol, discrètement caché à ma droite, qui, en plus d'être immense, est légèrement spécialiste de physique quantique. C'est des choses qui arrivent, et qui... de Robert Heinlein aussi, hein, un peu aussi quand même. Et des essais sur la science-fiction, il en a connu quelques-uns. Et d'ailleurs, à ce titre, je crois que tu as reçu un GPI. Ouais, c'est pratique. C'était en 2009 pour solution non satisfaisante, une anatomie de Robert Heinlein. Tu es aussi traducteur et surtout tu co-diriges avec Hugo Bellangamba, si je ne m'abuse, les journées science et fiction qui ont lieu à Péresque et qui ont invité plusieurs fois Roland Wagner. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je voulais qu'on parle du bonhomme, mais on va. Oh, je comprends. La moins bien servie, devinez qui c'est, ma compagne Sarah Doc, qui est romancière, nouvelliste. Non, elle n'est pas romancière, elle est nouvelliste. Elle est traductrice, elle est journaliste, elle est chroniqueuse. Elle a organisé un certain nombre d'événements un peu partout. Elle est un petit peu arrivée dans le milieu de la science-fiction grâce à un petit gars qui s'appelle Roland Wagner. Voilà. Mireille. Elle est la présidente du prix Julia Verlanger, elle est la présidente du syndicat des écrivains de langue française. C'est une cuisinière merveilleuse. Voilà. Alors, vous voyez, je suis un peu... Une excellente recette de pain d'épices. Je suis un peu ému. Par quoi va-t-on commencer? Roland avait tellement de facettes. Il était écrivain,
Et en tant qu'écrivain, il était, comme en tant que lecteur, un absolutiste de la science-fiction, quelqu'un qui l'a défendu mordicus jusqu'au bout, quelqu'un qui a tout essayé dans la science-fiction, tout en créant son propre univers, c'est-à-dire que depuis son premier roman, Le Serpent d'Angoisse, jusqu'à la fin de son œuvre, il poursuivait la mise en scène d'un univers personnel qu'il est difficile de qualifier. Alors, dedans, on connaît certains cycles, dont Les Futurs Mystères de Paris, qui couvre 9 romans à lui tout seul, je ne me trompe pas, Muriel. Voilà. C'est quelqu'un qui était traducteur aussi, qui a traduit quelques auteurs, qui a entre autres traduit les derniers romans de Norman Spinrad avec Sylvie Denis, sa compagne, dont Oussama, qui n'est toujours pas publié aux États-Unis. Jamais. Ah, oui. I don't know how to start this. The only way I can start it is to start at the end, because the last thing that Bowen wrote, Rêve de Gloire, was a very great novel. Maybe the best science fiction novel written in any language in the last 10 years. I knew Roland, we were friends for, my God, 30 years, I guess. I even shared we went to some terrible conventions together, I must say. I remember something down by Nice where they screwed everything up and we had to share a room. And Roland dropped his hash in his boot and spent quite a frantic time trying to find it. Finally found it. But Roland wrote an amazing number of novels, an amazing number of stories, very fast. I mean, Roland, I guess, was 25 years or 30 years younger than me. And I have not written half of what he did. I don't know how he did this. And I read many of his books, I read his stories, I did introductions to his stuff, he did introductions to my stuff. And then came this, sometimes, I don't know, it was what we would call a quantum leap to another level of writing, which is his great, great novel, which is the last thing he did. And I don't know, in some ways I think he considered that maybe he was a sort of protege of mine. But with Rêve de Gloire, he became, I think, the greatest French science fiction writer of his generation, and beyond that, if you compare something like Rêve de Gloire with the work of Michel Houellebecq, let alone Maurice Dantec, which good stuff up to a point, it's a step beyond that. And what happened to Roland was tragic. But in a way, at least you could say, he went out at the top, the very top. Somebody else should say something, though. I'm not doing too well. Oui, je voulais dire avant-hier, Norman m'a dit que Roland était quelque chose comme un fils et un égal. C'est... But he shouldn't have given up his day job and become a musician, I must say that. He was a better writer than a musician, I would say. I don't know if everybody will agree with that, but I think most people will. Oui, peut-être.
Mireille, toi qui as beaucoup travaillé avec lui et qui a connu toutes les différentes aventures et rebondissements qui ont conduit à l'aboutissement de Rêve de Gloire, comment s'est passée cette relation à la fois professionnelle, amicale et chargée d'émotions, même de temps de son vivant? Alors moi j'ai rencontré Roland en 94-95, on a commencé à le premier contrat, je crois, c'est 96. Voilà. 98, on s'est rencontrés en 96 et le premier contrat est en 98. Pour moi, il y a effectivement deux phases dans la relation à Roland sur le plan. Mais tout était lié avec Roland. Il fallait une adhésion à toute une démarche intellectuelle. Pour travailler avec Roland, c'est pas qu'il demandait qu'on pense comme lui du tout, mais il expliquait tout le temps ses cheminements. Et j'ai trouvé que Rêve de Gloire avait été une expérience assez différente. Jusque-là, Roland était beaucoup plus prolixe sur ses œuvres. À chaque fois qu'il avait un livre à écrire, alors on avait un contrat, hein, il appelait toutes les 15 jours, toutes les semaines, il avait une idée, ça allait être autrement, et donc il fallait que je note. Et je note tout ce qu'il me disait. Pourquoi ? Je m'en suis souvenue il n'y a pas longtemps, parce que ça a été autrement pour Rêve de Gloire. Mais je notais nos discussions, qui étaient surtout alimentées par ses idées, par son cheminement. Et en fait, au bout de quelques mois, il me disait « Tu peux me photocopier, là ?» Tu sais, quand on a discuté début novembre. Et effectivement, j'ai fait ça pendant des années. Récemment, je m'en suis rappelée, uniquement parce qu'en allant rejoindre Sylvie à Cognac, on a fait un petit peu de rangement et on a retrouvé des photocopies de mes notes prises en écoutant Roland au téléphone. Et ça, ça a été beaucoup pour le Chant du Cosmos, un petit peu, mais surtout la suite des Futurs Mystères de Paris. Pour Rêve de Gloire, c'était un projet qui était à un niveau d'aboutissement en lui depuis longtemps. Nous, le contrat datait de 2006, mais tous ceux qui ont suivi la carrière de Roland Wagner savaient que dès les années 2000, il en parlait. Et il ne m'a pas du tout appelé régulièrement. C'était intégré en lui, il ne doutait de rien. Je suis persuadée vraiment qu'il ne doutait de rien. Par contre, il m'envoyait des grandes plages de lecture. Et je l'ai lu dans tous les sens, mais... Là, quand je dis je ne lui servais à rien, enfin, je suis honnête, je lisais, c'était aussi abouti que ça l'est maintenant au niveau écriture. Simplement, c'était ce bout-là, et lui, il savait déjà comment il allait le mettre. Il y a des choses qu'il a changées jusqu'au bout, mais tout ça a été très très clair, très très clair. Donc voilà, travailler avec Roland, c'était strictement voir un auteur... penser sa littérature, penser le monde, parce que c'était quelqu'un qui était en permanence à l'écoute de toute une géopolitique, et d'ailleurs de l'évolution politique du monde, hein, donc Rêve de Gloire le raconte d'ailleurs, et ça a été, ça a été une très très belle aventure, très très belle aventure. D'accord, c'est impressionnant en fait, ça correspond un peu à ce que disait Norman, Rêve de Gloire c'est un aboutissement. Même s'il était en gestation depuis très longtemps, même s'il a été très difficile à écrire parce que il me semble la peur un petit peu, je crois qu'il nous en parlait à tous assez régulièrement et il y avait la peur de se lancer, voilà, j'enlève le truc, ça ira beaucoup mieux. C'était une catharsis aussi. Je crois que vous en aviez parlé, Claude. Il y a déjà longtemps de cet aboutissement littéraire. Avec Roland, on a toujours des conversations qui sont espacées parfois de plages de plusieurs mois et qu'il est capable de reprendre là où on s'en est arrêté. Il nous parle comme si on venait d'abandonner la conversation, donc ce n'était pas toujours facile à suivre. Moi, je prenais pas de notes. Donc lorsqu'il me disait, mais si tu sais mon uchronie algérienne, ok oui d'accord, je voyais, c'est vrai qu'il en parlait de loin en loin, et je crois que c'est lorsqu'il avait une idée supplémentaire. Et c'est vrai que par moment, en discutant et qu'il y a un nouveau petit concept, une nouvelle petite idée qui pouvait apparaître, je l'entendais dire, oh là là,
Mireille, là, elle va me tuer parce que je vais encore changer un truc. Ça, je me souviens de réflexions de ce type. Et puis bon, donc, oui, on parlait souvent. Quand on se voyait, parce que nous, on ne se voyait pas très souvent quand même, on n'habitait quand même pas les mêmes régions, on se voyait lorsque ben, on est dans les salons, les festivals en général. J'étais une seule fois chez lui, il était une fois chez moi, pas plus. Mais j'ai même l'impression là que bon ben il y a des salons où on n'y est pas, et puis il y a des salons où on se croisera la fois d'après, que au prochain salon il sera là. Je n'ai pas encore bien réalisé qu'il n'est plus là. Eric, à Péresque, comment ça s'est passé? Parfois, je fais partie des affreux qui utilisaient éhontément, qui abusaient éhontément de la générosité de Roland. Roland est quelqu'un qui était toujours disponible, toujours partant pour toutes les aventures, pour toutes les rencontres. Et bon, c'est précisément le genre de personnes pratiquement sur lesquelles se sont bâties ces journées terrestres. Les journées terrestres, c'est on parle volontiers d'hétérotopie, c'est un endroit un petit peu magique dans l'arrière-pays niçois, un petit village perché à 1500 mètres en altitude dans les Alpes, où on réunit pendant 4 jours typiquement une vingtaine de personnes, des universitaires d'un peu toutes les disciplines, des scientifiques, des littéraires, des philosophes et une poignée d'auteurs. Et c'est un mélange d'une alchimie très complexe, c'est une alchimie qui est très improbable. Et c'est une alchimie qui fonctionne à tous les coups parce que les auteurs, en particulier qui sont là, les universitaires sont des gens qui ont l'habitude de faire des compromis, de travailler ensemble, de discuter d'une discipline à l'autre. Ça marche rarement aussi bien qu'on voudrait, ça marche rarement aussi bien qu'à Péresque. Mais les universitaires ont parfois un peu de mal à se confronter à des gens en dehors de leur monde. Et l'idée de Péresque, c'était justement de ne pas oublier cette dimension-là et qu'on ne pouvait pas parler de science-fiction, bien sûr, de tous les la variété infinie de sujets qu'il est permis d'aborder par la science-fiction, sans le regard de l'artiste, avec un regard différent d'une autre. Et on a évidemment abusé de l'amitié d'un certain nombre de gens. Claude ici est un des piliers de Péresque depuis les toutes premières éditions, et bon, tout le monde connaît presque qui connaît Claude, sa gentillesse est infinie. Et Roland, c'était à la fois complètement différent et la même chose. C'est quelqu'un sur lequel on pouvait compter pour dégonfler systématiquement toutes les baudruches. Chaque fois qu'un universitaire se prenait un peu trop au sérieux, bah, avait un discours un peu trop détaché de la réalité, un peu trop théorique. Roland, toujours aussi avec à la fois une impertinence infinie, une gentillesse infinie et une pertinence totale, arrivait à remettre les choses sur des rails utiles et nous permettait de travailler. Je pense que nous sommes parmi, il y a beaucoup de Pérescans ici, beaucoup d'entre nous ont réussi à préciser leurs idées grâce à Roland, grâce à ces interventions ponctuelles de Roland, et aussi grâce à l'érudition infinie de Roland. Roland est quelqu'un qui avait tout lu, qui avait non pas des... c'était pas un théoricien, malheureusement d'ailleurs, je fais partie des gens qui espéraient que en mûrissant encore un petit peu, dans 10 ans, Roland nous livrerait peut-être la vision wagnérienne de la science-fiction, une vision théorique de la science-fiction qui nous manque, je crois, et qui nous manquera malheureusement toujours maintenant, parce qu'il y avait une cohérence totale dans la vision de la science-fiction. Roland, il avait tout lu, il avait tissé toute une toile de cohérence au sein même de son œuvre qui était à la fois pas préméditée, parfaitement pensée, parfaitement cohérente. Et sur l'ensemble de la SF, son œuvre s'inscrivait dans la science-fiction. Il était capable à tout instant quasiment de resituer n'importe quelle problématique dans le cadre d'une culture collective commune. Je serais presque tenté de dire que s'il y avait un archétype incarné de la science-fiction, ce serait c'est Roland qui l'incarnait assez souvent. Et donc je vais essayer de ne pas monopoliser le micro, mais pour moi Roland, c'est à la fois cette pertinence et cette générosité totale, et cette joie de discuter, cette joie d'échanger avec tout le monde dans toutes les circonstances. Je crois que mon premier contact avec Roland, c'était où j'étais jeune universitaire, jeune prof de physique,
J'avais conçu pour ennuyer, pour le plaisir de l'été, des étudiants de master ou de GTEA, je ne sais plus, un problème de physique basé sur le Ludion de Roland, qui était un personnage qui défiait la gravité et qui arrivait à tomber plus lentement. On s'est amusé à faire un peu de mécanique autour de ça. J'avais raconté à Roland, qui avait été absolument enchanté, l'idée qu'on puisse s'approprier son œuvre, détourner son œuvre et jouer avec son œuvre pour créer d'autres choses, pour amener d'autres gens à penser différemment. Je l'enchantais. Pour ceux qui seront là lundi, je crois que Estelle Blanquet a prévu pour une journée scolaire, a prévu pour les scolaires de faire travailler les enfants, de faire jouer les enfants avec un extrait d'Honoré a disparu de Roland. Et là encore, je suis persuadé que c'est quelque chose que Roland aurait adoré, de voir des tout petits s'amuser, s'éclater et rêver à partir de ces textes. Et c'est probablement l'un des plus beaux hommages qu'on pourrait lui rendre. Farah, ta rencontre avec Roland, c'est quelque chose de très particulier, c'est un souvenir impérissable parce que, comme je le disais tout à l'heure, il t'a ouvert les portes de la science-fiction. Et il avait tendance à faire ça pour tout le monde, mais comment ça s'est passé pour toi ? Pour moi, ça a pris un certain temps, parce que la première fois que je l'ai rencontré, je ne savais même pas qui c'était. Il était là au milieu de mon salon, avec plein d'autres auteurs de SF, à boire des coups, et je ne savais pas qui c'était. Et puis quand il est rentré à Paris, il m'a envoyé ses bouquins. Puis on a commencé à se téléphoner, et puis je l'ai interviewé, et puis il m'a emmené dans les festivals, il m'a emmené à la convention. Il m'a présenté les gens. Et puis quand moi j'allais dans un festival où lui n'était pas invité, il téléphonait à un copain pour que ce copain-là me présente d'autres gens et que je ne sois pas toute seule. Quand il a lu mon premier texte publié, il a dit... Écoute, là, j'ai absolument rien compris, mais tu es un écrivain. Roland a fait ça pour beaucoup. Roland avait toujours un bon mot, un sourire, une blague pour le lecteur timide qui venait demander une dédicace, pour le jeune auteur qui débarquait, qui connaissait personne, qui avait les yeux grands ouverts, et il y avait toujours un Roland qui passait par là, qui le prenait quasiment par la main et allait dire, on va boire une bière. On va parler de SF. Well, you know, in retrospect, first of all, I gotta say that it was hard to believe that he was ever 50 years old, or that he ever would be. Because he always seemed, he was such a party animal, and he was such a kind of light spirit like that. And the way he dressed, and the way he carried himself, you have to look backwards to see that, he was writing a lot of really serious, deep stuff. Maybe not all along, but certainly for a long time, without what? Without playing the role of le auteur of a chose comme ça. He was maybe, in retrospect, not as seriously guarded as he should have been, not because the work wasn't there, but because he sort of didn't play to it that way. He danced lightly over it. And only when he's not here anymore, I think, do we see that something like the final novel, Red de Gaulois, was really an evolution that had been going on for a long time. I mean, I don't know, it's really hard to talk about this. I think he was appreciated, greatly appreciated, and respected in a kind of way. But, like, respect is not what you think of when you're thinking of Roland, somehow. Not that you disrespected him, but he didn't play to that sort of thing. He was really a really fun person to be around, and we did various crazy things in crazy places together. And
I think a lot of other people could say the same thing, but he really was a dedicated hard worker who, on one hand, really was a fan of space opera, and half managed to convince me that this was serious stuff, even the stuff that I wrote, which was very hard to convince me. And it was just kind of a strange and kind of precious combination of a real artist without any personal pretension or feeling of, I don't know, I would say seriousness, but in a bad way. He would, and I think that's one of the reasons he'll be so sorely missed, that maybe we didn't see everything we should have seen at the time. At least I feel a bit like that. Oui, je crois qu'on on est nombreux à avoir effectivement par moments eu des images de Roland qui n'englobaient pas tout Roland. C'est-à-dire, on ne voyait de lui que ce qu'il avait envie de montrer sur le moment ou que ce que la situation l'amenait à montrer. Je crois qu'on se souvient tous de quelques frasques terribles de Roland. Qui est même des fois très chiant. And those pants he used to wear all the time? The striped pants, the weird stuff. Mais c'était juste. On peut être et désespéré et joyeux. Il en était capable. Il était ça. Il était effectivement extrêmement joyeux, farceur et avec des capacités de désinhibition dont nous n'étions pas capables nous-mêmes. Et à la fois, il était tellement profondément désespéré qu'il n'avait rien à prouver de ce point de vue-là. Il était aussi terriblement révolté. Il avait besoin de se battre, il avait besoin de défendre ses idées, les droits des autres, l'accès à la culture, la SF. Et c'était même pas de la colère, c'était de la révolte, c'était de la passion. Enfin, alors à ceci près que je renvoie la balle à Norman, parce que il était pas obsédé, mais en tout cas toujours en relation avec Norman. Moi, je crois avoir entendu parler de Norman tout le temps par Roland. Roland vivait avec Norman en permanence dans sa réflexion intellectuelle et dans son affection. Vraiment, il vivait tout le temps avec toi. Well, you know, I wrote some introduction to some of his books. And he wrote some introduction to some of mine. And he wrote an introduction to, I guess, the latest edition of Red the Fair, where he wrote about the book, but he wrote about the effect it had on his childhood, coming out of Algeria, and that whole thing, a whole dimension there, that was maybe kind of hidden, at least for me. He really didn't talk about that stuff much, but it was really deep stuff. And what kind of childhood, boyhood he came out of that. And then he wrote Red the Glow Up. And there was an aspect of him as a person that I don't think he really showed that much personally, of a kind of deep, not a sadness, but a real political and seriousness, which he wrote up in a certain kind of way in some of his like Sepetangwan, things like that, but really deeply from the heart, and deeply from his own life, which I think at that time he really kept kind of private.
didn't talk much about it. In that introduction, he said all kinds of things. He was writing about my book, but he was writing about his own growing up too. And somewhere out of that background, he wrote a book about that, which is something he had never gone into really before in a straightforward way like that. And aside from the fact that it was stylistically a very difficult book to write, I would imagine, and a very long one, I think maybe that's why it took him so long to write it, because in a kind of way, he opened his heart and his consciousness and revealed aspects of himself that were rather different in some ways from the Roland we knew. And I don't know, that he really was a real blithe spirit, but there was a depth there and a complexity that didn't always show. And that's why not in a bad way, it was hard for me to believe that when the accident happened, when he died, that he was 51 years old, because I could never picture him or conceive of him as being that old. Not because he was, not capable of maturity or anything, but he always didn't carry himself like that. He wouldn't have carried himself like that when he was 90, I don't think. Well, c'est tout. Claude? On remarque la fluidité de son écriture, et pour arriver à cette fluidité, il y a justement beaucoup de complexité. Ce que dit Norman est très juste. Je crois qu'il a mis beaucoup de temps pour écrire Rêve de gloire, mais c'est ce qu'il m'avait dit à Pérez au mois de mai encore. C'était un puzzle qu'il avait dans la tête depuis longtemps, auquel il pensait, et qu'à un moment, il sentait qu'il était prêt et que là, ça allait tout seul. Il dit que le bouquin, il l'a écrit très vite, finalement. Il a simplement mis longtemps à le penser. Et lorsqu'on dit que c'était un fêtard qui travaillait tout le temps, qui donnait l'impression de faire la fête, mais chaque fois qu'il passait des soirées, des nuits entières à discuter, hein, le matin, bon, on ne le voyait pas trop, ou alors avec des yeux mi-clos, il a passé quand même toutes ses soirées à discuter de science-fiction, à parler de ce que faisait l'autre, à lui poser des questions, mais juste pour savoir, pour évaluer, pour comparer. Et finalement, à beaucoup réfléchir sur l'écriture des autres, la sienne, à réfléchir sur la société, à réfléchir sur la littérature et sur la science-fiction. C'est peut-être pas un théoricien, Eric, mais c'est un historien, et il avait comme projet d'écrire une histoire du fandom. Ce qu'il voulait toujours, c'est que tout soit exactement juste. Et à ce moment-là, dès qu'il y avait quelqu'un qui écrivait une petite erreur, il intervenait tout de suite pour rectifier la chose, pour rectifier selon ses vues, mais il avait justement une vue très large et très étendue parce qu'il avait beaucoup lu. Cela dit, Rêve de gloire, la conception formelle de Rêve de gloire et le livre qui accompagne le Rêve de gloire, le train de la réalité, décrivent très très précisément la théorie de Roland sur la littérature. Est-ce qu'on peut demander autre chose à un écrivain que de faire un roman, un livre de sa théorie? C'est le summum. Well, there was another thing about that book and about Roland, which was that he was writing this book from I don't know how to count how many different first-person viewpoints as delivered by in first person by the characters, including fascists and people who did terrible things and people who were stupid, and yet there was conveyed to me at least a kind of deep empathy and sympathy even for the worst of the characters he was portraying. There's not a special aspect of the whole thing.
No, it was nothing about Roland. I don't think I ever saw him be mean to anybody. Maybe even including people who might have deserved it. He was never mean to anybody. I don't know if anybody here has ever seen him, you know, really come down on anybody in a mean and nasty way. No, he just, that doesn't mean he was naive or anything. He just wasn't like that. Wouldn't do that. Had an empathy and a sympathy for almost anybody. Maybe for anybody. Oui. Il a, sans aucune méchanceté, parfois exprimé avec ce qui pouvait être pris comme de la violence ou comme de l'agression, en tout cas, quelques coups de gueule. Je me souviens, c'était dans l'une des premières utopiales de mon Roland se baladant avec un t-shirt sur lequel il y avait écrit « Jacques Chambon est un escroc ». Et qui s'amusait à passer, à rapasser et à rapasser devant Jacques, pour de façon à ce qu'à un moment donné, Jacques réagisse. Mais Jacques se sentait seulement agressé. Ne voyait... Il a vu l'humour après. Et il y a eu, entre guillemets, une réconciliation. Mais sur le coup, Roland était là à la fois pour exprimer une colère vis-à-vis de quelque chose qui lui avait déplu, mais il le faisait en farceur, c'était-il l'espiègle, et très souvent ça a été ça. Ces relations sur les forums ont parfois été peut-être un petit peu moins tendres, mais je pratique assez peu les forums. Ma foi, je ne sais pas si effectivement Roland était vraiment l'homme des forums. Le souvenir en ligne que j'ai gardé de Roland, c'est plutôt Usenet, c'est plutôt Fras. C'était les années 90. Fras, c'était une famille très largement. Il y avait beaucoup moins de monde à l'époque connecté sur Internet. C'était un repère de passionnés. C'est le genre de choses qu'aimait Roland, avoir être parmi des pères en passion, des pères en investissement, des gens qui étaient prêts à passer des heures à discuter avec lui. Et effectivement, on avait des discussions épiques entre Roland, je pense, à des gens comme Nathalie Labrousse, qui est une professeure de philosophie de Nantes. Les 42 étaient là régulièrement aussi. Il y a eu des Georges Bormand. Je vois un très grand nombre de visages ici, de gens qui étaient passionnés il y a 20 ans, qui sont toujours passionnés aujourd'hui, qui sont toujours ici. Et Roland était cette famille-là, et Roland mettait un sérieux total, un investissement personnel total dans toutes les discussions. Effectivement, il ne laissait rien passer. Et non seulement il ne laissait passer aucune erreur, mais il ne laissait passer aucune chance de se faire plaisir intellectuellement. S'il y avait une bonne idée qui était suggérée et qu'on tournait autour, qu'on la voyait, qu'on n'arrivait pas à mettre la main dessus, Roland était celui qui allait jusqu'au bout des choses, jusqu'à ce que tout le monde puisse profiter de la bonne idée qui avait été soulevée par lui-même ou par un autre d'ailleurs. Effectivement, sur les forums, il était très présent aussi sur les forums, donc c'est plutôt les années 2000, mais les forums sont un endroit où le public avait un petit peu changé et beaucoup de gens venaient picorer sur les forums beaucoup plus que sur Usenet. Des gens qui sont sur les forums SF, qui sont là en passant, qui jouent un petit peu, qui viennent avec beaucoup moins de sérieux que n'en mettait Roland, malgré ses facéties, malgré sa façon parfois de tuer un débat en deux lignes ou au contraire de provoquer en deux lignes ou deux phrases, parfois même avec une simple grossièreté pour le plaisir de la provocation. Alors ça donnait des duels mémorables. J'imagine que parmi vous, il y a un certain nombre de gens qui suivent ActuSF. Donc c'était il y a un an ou deux, il y a eu un film qui a duré 700 pages, quelque chose comme ça, ou qui était... 750 pages, me confirme Georges, qui était essentiellement un duel à 3 ou 4. Il y a un duel entre Serge Lehmann et Roland Wagner, dont on avait eu un peu la primeur à Pérez, que justement, j'ai gardé un souvenir ému de ces passes d'armes entre... c'était une année où on avait la chance d'avoir Serge Lehmann, Roland Wagner, Claude et Gérard Klein, et en particulier des passes d'armes entre Serge, Gérard et Roland,
qui anticipait et qui résumait en quelque sorte ces 700 pages sur ActuSS. Mais alors que le débat était le même, alors que les idées essentiellement étaient les mêmes, qu'on retrouve exactement l'implication personnelle, le sérieux que Roland met dans ce genre de choses, le même sérieux que Serge Desmaines dans un genre très différent, et que Gérard aussi, genre très différent. On retrouvait dans ce fil ces trois positions, ces trois investissements, ces trois sérieux, mais le fil était entrelardé de choses beaucoup plus... j'allais dire plus ludique, c'est pas vrai, Roland avait une approche ludique à la SF. Je soupçonne d'ailleurs que Serge était un peu moins sensible. Serge peut s'amuser ou être sérieux, mais était très sensible aux provocations de Roland, qui se faisait un plaisir de faire grimper Serge Lehmann au rideau en trois phrases, et avait des pages entières de réponses de Serge Lehmann à deux mots ou à trois phrases de Roland. Mais il était malgré tout un petit peu moins à son aise parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui prenaient les choses moins à cœur que lui, et que s'il respectait toujours absolument la liberté de l'autre de ne pas s'intéresser aux mêmes choses que lui, il était parfois un peu triste, un peu chagrin qu'on ne se passionne pas, pour ce qu'il lui le sublimait, ou au contraire le fâchait, en tout cas le faisait un peu au rideau dans un sens ou dans l'autre. Farrar, il y a l'engagement de Roland dans beaucoup de mouvements d'auteurs, entre autres avec nous. Il y a eu ce fameux coup avec Adopi. Est-ce que tu t'en rappelles, ou est-ce que tu peux nous en parler? Lorsque la loi Adopi a été mise en discussion à l'Assemblée, Roland était tellement en colère contre cette loi qu'avec Sylvie, ils ont écrit une pétition qui commençait par ces termes: « Nous, le peuple de la science-fiction ». Cette pétition a été signée par de très nombreuses personnes de ce milieu, de ce peuple, mais d'autres eux encore. Et ça a été peut-être la première fois qu'on a parlé d'auteurs de science-fiction et de science-fiction à l'Assemblée nationale. Oui, le texte a été lu à l'Assemblée nationale, carrément. Le texte a été lu à l'Assemblée nationale, on l'a cité au journal de 20h, et pour la première fois, on parlait d'auteurs de science-fiction comme de gens sérieux, qui avaient eux aussi une vision de l'avenir, au même titre que les députés ou les ministres, et pour la première fois, on n'était pas pris pour des clowns. Voyait cet engagement des auteurs, particulièrement des auteurs de science-fiction, pour l'accès à la culture pour tous, qui était quelque chose qui était extrêmement précieux pour Roland. Moi, j'aime bien cette notion de peuple. Ce n'est pas commun, quand même, de commencer une lettre de protestation avec le peuple de la science-fiction. Comme quoi, c'est vraiment... c'est plus qu'une famille, c'est un signe de reconnaissance. C'est un petit État dans l'État qui symbolise, au-delà d'une culture, une certaine manière de penser, une certaine manière de voir le monde, et qui rassemble et fédère, et je pense que cette idée était vraiment très ancrée en Roland, et c'est pour ça qu'il essayait toujours de faire le lien avec tout le monde et de discuter avec tout le monde pour confronter les points de vue. On s'approche doucement du terme de cette table ronde. Est-ce que des gens ont envie d'exprimer quelque chose ou de poser une question? J'aurais tenté à Borsalino fluo, mais j'en ai pas. Juste pour mentionner une facétie, je me rappelle il y a quelques années, quand il y avait une table ronde sur la science-fiction et l'humour, et les lunettes avec des globes oculaires holographiques qu'il avait portées, c'était rigolo. Et une petite remarque sur son œuvre, on est censé parler du bonhomme, mais ça parle un peu de lui aussi. Il a apporté beaucoup de tendresse dans la science-fiction. C'est pas courant, la tendresse dans la science-fiction. Sa série Les Futurs Mystères de Paris, ça part de l'idée que la tendresse a marqué les points déjà à la base, et on peut quand même raconter l'histoire à partir de ça. Ou alors la saison de la... J'ai pas encore lu Rêve de gloire, mais
dans la saison de la sorcière aussi, c'est la tendresse qui gagne à la fin. Donc on a tendance à classer la science-fiction en plus ou moins dur ou molle, mais il y a aussi introduit une notion de tendresse dans la science-fiction. Et la présence de beaucoup d'animaux aussi, qui y participent un peu. Cette tendresse, enfin, il y a une volonté depuis le début, depuis les premiers textes de Roland, qui est, on n'a pas besoin de mettre de la violence dans un ouvrage pour raconter une histoire et pour faire comprendre le monde aux autres. Et c'est encore plus flagrant dans les futurs Mystères de Paris, puisque le thème est, partant de l'aube l'orageuse, est totalement non-violent. Va réussir à conduire toutes ses enquêtes sans jamais recourir. Je ne sais même pas s'il hausse le ton une seule fois en neuf bouquins, thème. Non, et d'ailleurs, pour Rêve de gloire, pour ceux qui l'ont lu, je suis désolée pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais enfin, la fin de Rêve de gloire, c'est quelque chose dont il a parlé pendant des mois, de s'autoriser un personnage qui allait avoir un acte de violence à la fin. Donc Rêve de gloire était à la fois un aboutissement littéraire, un aboutissement d'œuvre, mais c'était aussi sa transgression à Roland. Et je me souviens aussi des discussions autour non seulement de cette violence, mais aussi de la violence des paroles, de la violence des pensées de certains personnages de Rêve de gloire, quand ils devaient parler à la première personne pour des fascistes, pour des racistes. C'était quelque chose qui était extrêmement douloureux et extrêmement difficile pour lui à écrire. Oui, mais bon, là, on revient à Rêve de gloire et à la conception de Roland, mais précisément, c'est un ouvrage où, et d'ailleurs, c'était déjà le cas dans les futurs Mystères de Paris, en fait, mais où la parole était donnée à chacun. Donc, entre ce chacun et ce peuple, je pense qu'il y a un lien, parce qu'effectivement, Rêve de gloire est le livre d'un peuple où chacun participe à l'histoire, quelle que soit sa parole et sa violence, puisque Roland Wagner n'était pas contre la violence. Il n'était pas non plus un non-violent. Encore qu'il exerçait au maximum la non-violence, mais juste au maximum. Et ses personnages n'étaient pas forcément des non-violents. Effectivement, Thème le sacré de l'aube radieuse était le modèle, était le héros. Mais avec cette fadeur des héros, c'est-à-dire le héros est un idéal et c'est les autres qui font l'histoire. Et précisément pour faire l'histoire, il n'y avait pas de naïveté chez Roland. Et Rêve de gloire raconte cette non-naïveté. C'était tout le temps tout était pensé, intellectualisé et rendu sensible pour laisser la place à chacun, y compris aux fascistes. Et c'est extraordinaire dans Rêve de gloire comme chaque composante, parce que le livre est un puzzle, mais nous sommes tous des éléments de ce puzzle, y compris les plus fascistes ou les plus violents ou les plus doux, et sans doute oui, les futurs Mystères de Paris sont c'est son œuvre la plus douce, sans doute aussi parce que ça vient tout doucement dans les futurs Mystères de Paris, mais c'est aussi l'histoire d'un couple. On n'a pas souvent dans les histoires de science-fiction des histoires de couple. Or, Thème et Aileen représentent aussi ce maillage que Roland voyait dans les relations humaines quotidiennes. Parce que c'était quelqu'un qui attachait de l'importance au quotidien. Et qui expérimentait à travers Thème et Aileen aussi la relation d'un homme et d'une femme dans un respect, dans quelques irritations et quelques moments difficiles. Mais voilà, ça je pense que quand vous parlez de tendresse, oui, elle était présente, vraiment. Et justement, ce quotidien est aussi quelque chose qu'on retrouve dans énormément de ses romans. Roland trouvait important que ses héros aient des gestes, se fassent le café, prennent des douches, aient une vie en dehors de leur statut de héros. C'est quelque chose qui, pour lui, était fondamental dans son écriture. Quelqu'un ? Une autre question ? Un autre témoignage ? Bonjour, c'est pas une question, c'est juste une chose dont j'aimerais qu'on se souvienne aussi.
Vous avez dit que Roland avait une connaissance encyclopédique de la science-fiction. Ce qui est vrai, il avait aussi une connaissance encyclopédique de tout ce qui s'est fait dans l'Europe depuis 50 ans à peu près. Et on le voit très bien dans Rêve de gloire, mais il en parlait aussi très régulièrement sur les réseaux. Et il connaissait parfaitement ce milieu-là et de manière presque exhaustive. Norman d'ailleurs a écrit un petit passage sur l'égide de l'énergie où... Well, the only thing I can say anymore is I guess, is a dedication that I wrote in, I forget which book, it was probably Child of Fortune, to Philip K. Dick, and I think it just applies to Roland too, and that's some stand on the shoulders of giants, some fear to the heart of a friend. Some lives have stories whose spirit never ends. That's all I can say now. S'il n'y a pas d'autres questions, je trouve que c'est un mot de la fin assez magnifique. Nous allons donc céder la place au président.